pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, au sein de l'Union sacrée, l'ère de la vérité a sonné. Le président de la République veut soit changer ou réviser la Constitution. Batouba Kota, la société Réunion Sacrée, qui est avec le président, Nanazana Mokonzité, à venir et la Kisabiso, Banani Bako soutenir bon projet et à chef de l'État. Et bon, on a qui na souka ya ba 6 ya État Généraux ya Justice, Moko ya ba ténor ya Union Sacrée, na combo ya professeur Modeste Batilou Kwebo, ya à l'obaki que. Problème, il y a beaucoup de cannabis, il y a des problèmes, il y a des problèmes à mi-bé côté, il y a des problèmes à texte, il y a des problèmes, il y a des tout. Il y a des meilleurs textes, il y a des lois, il y a des républiques, il y a des salaires, tant que l'homme congolais ne changera pas, le problème, il y a Congo qui persiste pour naïe. Il pense que les problèmes ne sont pas. N'est pas, je peux le dire, à niveau de la Constitution, mais les problèmes, ils ont beaucoup plus à niveau de l'homme congolais. Et bon, mon aki, moko ya ba analyste, mon amboka Patrick Sahel, les kaki, a pesa qui point de vue naïe par rapport, ya ba propos, ya professeur Modeste Batilou Kwebo, les lopeto ko ya ma mon amboka Arma Moukoulou, ye pe aye, ko pesa point de vue naïe par rapport, ya ma kamboyo, le professeur Batilou Kwebo, alobaki, par rapport à la révision de la Constitution, mais aussi d'autres actualités. Opposition, Basangana Kilobi, Kabila, Katumbi, Matata, Fayoulou et les autres, pour ça, le bloc Moko anti Tshisekedi, il y a un projet, il y a révision, il y a changement de la Constitution, il y a un projet, Tshisekedi, Azwa Bongo, troisième mandat, pour modifier, pour changer la Constitution. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission. Merci à Steve Kondé, merci à Mwana Mboka, troisième intellectuel à Kabea Kamwanga, Papi Josso, l'intello millionnaire Ninge Moura Milobaka. Alors, Mwana Mboka, Arma Moukoulou, Tozana et Sengoli, Soussouya Kouyambayo, na plateau ya Balobilia Peuple, na émission Nabiso, Tolobila Ekolo. Merci Ndeko Mitera, merci à Mboka Nyonso, Bazoua Mi de par le monde entier. Merci à l'équipe technique Nabino Mobimba. Et voilà, donc je suis encore très content. Il y a Zala un plateau, il y a émission Nabino, il y a télévision Nabino. Pour tout mettre un peu qu'on réfléchit par rapport à l'enjeu politique, il y a Mboka, mais aussi tout mettre un peu qu'on apporter ma précision, tout éclairage dans Maéo et Zala qui comme ma propos. Tenu par le professeur d'université, Mwana Mboka, honorable deuxième vice-président du Sénat, Oya Zali, autorité morale, président statutaire de AFDCA, na moment où il y a interview, ba pesa qui est concernant Oya Kobenga, ba assise ya état généraux de la justice parce que bato ba mekai ko balola maloba na emingi et le ba mingi le ba mingi vraiment bato misusu ba sala ngo nanko je ne sais pas si c'est de la sorcellerie politique na ebite soko ezali ki budiabulu soko ezali pe haine soko ezali jalousie pour quel objectif machiavélique pour na koluka ko nuire na personnalité ya mwana mboka bati lukwebo et ce n'est pas bon yango to komia mo ba précision. Et puis, tu reçois la peau, il y a un peu quand même édifié dans moi, au bisou, tu es bien. Il y a un peu de temps, tu es accompagné, tu es accompagné parmi les lieutenants, dans ma cambo et le développement de la vie. Merci. Très bien. Alors, moi, je suis Arma Moukoulou, donc, je suis le président Félix, a déterminé, a lobby rien et personne, va empêcher finalement.
à réviser, tout a changé constitution, ce qui peuple congolais à travers bah, députés et les symbités souverains premiers Moko Akozuali Kambango en charge. Et aujourd'hui, le président est à la recherche. Il y a Batouba qui a accompagné un projet Wana. Il y a changement, il y a modification, il y a constitution. Quand si regarde, il y a Batoumingi et Kotalema, na niveau ya union sacrée, na présidium, tout na niveau union sacrée. Et Zali Kaka na moto moko a se prononcé à part famille politique na UDPS. Et Zali Bongo le patriarche Mbosonde a se prononcé na likambo ya révision le béa pour soutenir Tata Mokonzi. Quand si le professeur Batulukwebo na souka ya basis à état généraux. A pesi mwa oyo bato ba ko benga intention na ye hein bato ba yo ki ye na makambo lobi alobi makambo ya mboka na biso ezali makambo ya mibe kote eza makambo ba texte te ezali l'homme congolais parce que a mituna lobi so ki ba changer constitution nge makambo nyonso ko changer mbala moko ye a banzite alobi que pona ye ezali problème ya l'homme congolais et interprétation e ke ye zongi ba lobi le président Bahati Aza contre projet à Tata Mokonzi yo le binin. Non, il faudrait d'abord qu'on rectifie. Dans le lobby, je crois qu'ils ont lapsus. Ils ont lapsus, ils ont moto, ils ont moussala, ils ont moussala, ils ont moussala, ils ont quitté que ceux qui vont changer la constitution. Ceux qui vont quitter la biseau même. Ceux qui vont changer le texte. Ma texte, voilà. Ma texte. Ceux qui vont changer la biseau même vidéo, ils ont peut-être ce repère. Et alors, ils ont la constitution, exact. Alors, ils ont la texte. Voilà vraiment la. Merci Ndekoulangaï. C'est comme ça, être un professionnel. Et donc, le président Batulukwebo était dans un contexte bien défini. Azaki Nakati a circonstances moko bien élaborées. Dans un contexte purement lié à Makambo au Etali, Bassise, il y a État Général de la Justice. C'était dans les contours judiciaires. Ça n'avait rien à voir avec un contour constitutionnel. Ou bien un trait avec. C'est qu'aujourd'hui, nous appelons les intentions de la révision de la Constitution ou bien du changement de la Constitution. Le procès Batulukwebo n'était pas dans ça. Parce que Zaki même interview au Bakorda qui est par rapport, il y a clôture, il y a assise, il y a état généraux. Appui naïe, plutôt avis naïe, point de vue naïe, ton regard naïe par rapport, il y a Makambo état généraux, n'est-ce pas le collègue, n'est-ce pas silaki. Après si. Nenga tolobaka argument naye après si makanisi naye réflexion naye comme tout congolais lokola mwana mboka nyonso akokipe ko s'exprimer par rapport à un sujet songolo pakala et il avait même précisé que il a parlé en tant que scientifique parce qu'il faut pas oublier au-delà ya politique au-delà d'être un grand leader du Sud Kivu comme ndenga na lobaka za moto ya yambo asalimming na Sud Kivu hormis cause à la politique. Hormis Kouta na souhaité civil comme grand leader, hormis parcours élogé naïe, il faut aussi comprendre que Bahati, c'est un scientifique de taille. Bahati Lukwebo, c'est un professeur d'université au pluriel. Bah, université est belle. Et ça, na Congo, boyebi awa, na haute école de commerce ex, IEC, ou Azakou parmi, bato, bazi, bazal, le rôle, pareil à école doctorale, il y a ex IEC. Sur le tal d'Amikila Poto, tout le monde a eu peur, imagine que les mêmes causes n'ont pas co-direction. Même il y a ma mémoire, il y a un nouveau docteur, net dans le côté des États-Unis, dans l'Université de Miami, net dans Toronto, ainsi de suite, dans la Tunisie, dans la Mboka et Belé. Donc, Azamoto, pas qui comme ma réflexion, moi, Moussika. C'est pourquoi il y a un petit cas qui dans le contexte où je précise. Les procès Batulukwebo n'a nulle part, n'a nullement parlé. Makambo est allé révision, topé changement constitution. Mais à ma grande surprise, je n'ai pas compris. J'ai vu une presse corrompue. J'ai vu une presse que je dirais même des petits, des petites histoires. Une presse manipulée, si je peux dire ainsi. Ensemble, on a quelques communicateurs. Il y a moi ma formation politique et Belena, ma leader, ma analyste politique Mosusu. Comme on a par exemple M. Steve Mikai, que je vis, a tweeté, il y a professeur Bahati, il a transformé en Ndenge Naye. À côté de Bondoki, à côté de Maloba Nabango, il s'est préparé dans le laboratoire à Mabe, dans l'officine à Molili, pour écraser, pour nuire le professeur Bahati Lukwebo, pour mener à Mokonzamboka. Vous comprenez un peu?
Oh, au roman que mutulokola Steve Mbika d'abord as un modèle T. Soro que il même na babisi quoi leki na comme ministre et si au roman que kuna tiri désordre na désordre. Kola ki sama même na ancien recteur ya université ya Kinshasa là-bas na si je me trompe pas. Oh, il a démissionné comme directeur de cabinet ya monsieur Steve Mbika, il parle obi ça ne va pas. Abi mutuana mutune zo sala te. Mutuana zo sala maram lokola mutu moko na ebite soki mutu na e fonctionnera te ou comment. Azo sa makamuna désordre. Azo e baté ko différencier ba makamisu na secteur ya makambo etali enseignement supérieur. Tout ça c'est quoi? C'est la haine envers Batulukwebo, une haine viscérale parce que à un moment donné to yebi ba kuo mika ya montara contre Batulukwebo na FDCA à travers ba nenen kulu o ba sala ki ba dédoublement même ya FDCA. To yebi histoire. Baluki ba botola est parti illégalement. Baluki ba sans isaye parti na ye ba tindika ye na ndenga ya mabe ba fina ye mais tellement Bati c'est aussi quelqu'un de grand, c'est pas un petit monsieur Bati. C'est un grand homme dans ce pays. C'est parmi les icônes de la politique congolaise aujourd'hui. On a besoin d'incarner, on a besoin de la philosophie à cause à la modèle. On a besoin d'incarner, on a besoin de la valeur. Toyoka Bati te kaiba mosolo. Toyoka Bati te reba kangae. On a condamné pour la mosolo. On a Bati na niaku na toyoka te. Kobanda pakou na mobimba sauté civil. Qui n'en a recommandé dans la carte de l'institution, président Sénat, tu n'es pas pour ça, ça n'est pas dans le Sénat. Et donc, c'est pour dire que ce qu'on a même, AFDCA, c'est une structuration, c'est un parti politique organisé, très discipliné. Vous comprenez? Et ça, à l'école, le parti malade, il y a des ordres. Mais quand il y a combien de députés dans le parti? À part, on y a un mémé, ou ton chef de l'État qui a le pouvoir. À part, on y a un mémé. À part, on y a un mémé. Est-ce qu'on peut parler de la politique avec le président Tshisekedi? On commence à citer les gens comme les Mbikai. Non, mon frère ami. Mbikai a la fourmi dans la politique à Congo. Il est très loin, il est très loin. On y a ce Bahati à sali comme énergie, comme prouesse, comme bravoure, comme détermination, comme discipline, comme honnêteté, sincérité. Na pemeni ya mokonzi ekolo uto manda na ya liboso to ebi histoire ndenge nini ifalaki koleka na basculement FCC cash ndenge nini faki ko tia FCC mopanzi to ebi histoire nani oya ndimelaka mokonzi mboka à cette époque là beaucoup de gens ici o baza pemeni na mokonzi bazo diaboliser contre Bahati bangonde bazala na sima ya kobeta bambeli pour mokonzi mboka zo union sacrée. Mais il y avait, attendez s'il vous plaît, il y avait un monsieur Bahati Lukwebo ou claqué qui déjà porte ya FCC cash baluki ba bomaya qui exil qui avait crié en premier auprès de Tshisekedi. Et ça histoire to kobo sanate aye atie énergie atie botosi aye atie pe majorité na ye asungi mokonzi mboka na vision atata mokonzi na force ya mokonzi nde inyo sacré chamaki basungi mokonzi mboka ensemble na presidium tokei toye aye sousu pona deuxième quinquennat ameni 40 députés nationaux. C'est pour renforcer la majorité parlementaire du chef de l'État parce que l'UDPS seul ne pouvait pas atteindre une majorité absolue. Vous comprenez? Aujourd'hui AFDC est la deuxième force union sacrée. Au moment na Mbikai na ba labo na bango to sala boe to ko sa boe ainsi de suite. Parlons de Mbikai effectivement. Mbikai a zolo ba ke likambo oyo ce que zala makambo ya likambo ya projet à révision à changement ce que zala qui partage ba poste tenir tout mona ba professeur Batina Batebele ba ko kimamba ngumba ngumba réunion ba koti awa réunion ba koti kuna réunion ba bimi awa réunion ba koti kuna ba déclaration epaina epai le ko les ali makamba partage ya poste T les ali makambu ya révision to changement bango yenso bazui bakanyi monoko motuna na ngai mais pona nini président Bahati Lukwebo le professeur Tshisiko azolinga ko se prononcer par rapport à question alors que tata mokonzi a ko continuer ko bwa kambela à Koloba, mais jusqu'à là, dans l'Union sacrée, à part Patriarche Mboso, moto mon côté déjà à Yanoli, na appel à Tata Mokonzito, comme on a le côté. Qu'est-ce que le professeur Bahati pense par rapport à cette question? Non, il faudrait d'abord comprendre que question à changement, tout révisant constitution, ils en ont nous. Nakati a ba réflexion. Hein? Comme je l'ai dit, là aussi, je mets en garde vos opposants. Nous sommes en train de réfléchir sur le changement de révision de la Constitution. Je dois mettre en garde tous ces opposants malades. Parce que l'opposition, on peut tout le monde appeler gaz dans le terrain. L'opposition, mais
Bobima na nzela boye moi soki 10 11 12 13 40 personnes. Mm-hmm. C'est pas l'opposition ça. Mm. C'est qui est l'opposition? L'opposition, c'est les rapports de force. Vous avez ma casse dans minimiser. Les rapports de force, ni baron, bah, on a face la bise union. Mais babi, vous êtes là-bas, marche qu'à la minute. Marche à Nini, à Malonga, bah, au sala. Oh, bah, mais quand il y a marche, il y a Malonga, bah, au sala. Je condamne au moins d'un bah, Benagi, bah, brutalisa qui honorable délit, c'est Sanga. Ça, je condamne parce que tu as la démocratie. Mais sur le plan contenu, en marche en haut, bah, Bibi, ça y est combien de personnes, Liban? Vous comprenez un peu? Et ça, faut fuir. Moi, vous prenez un ça va marcher, autoriser, ça va marcher. Parce qu'en face de l'Union sacrée, normalement, on attend position Moroti. Ça, je te dis vrai. Mm-hmm. Le chef de l'État a le droit, comme tout Congolais, de réfléchir sur les changements ou révision de la Constitution. Parce que ça a un mécanisme, ça même dans la Constitution, il faut qu'on révise la Constitution, quelques articles, ou il faut qu'on change la Constitution. Ce qu'on change, tu rebasculer ton Louana, Troisième République. Donc, il y a la 4e République, mais tu as un référendum. Et puis, il y a un Parlement, jusqu'à ce qu'il y ait un mandat, et puis, il y a un mandat. Ça, ce sont des textes qui disent ça. Et ça, même dans la Constitution. Mm-hmm. S'il faut réviser ou modifier la Constitution, et il y a un projet de loi, et qu'on y a un gouvernement, topé, et il y a une proposition de loi, et qu'on y a un député national, mm-hmm. national, j'allais dire. Mon mm-hmm. côté, tu as un député national, tu as un Parlement. Mm-hmm. Mais il faudrait rappeler ici que le président de la République a aussi. Les prérogatives, à la peine à pouvoir, il y a convoqué le Congrès, Assemblée nationale, Sénat, qu'il y a peine à projet, il y a modification, il y a constitution. Ou bien qu'on lance changement, il y a constitution, qu'on lance référendum. Mm-hmm. Le président a les prérogatives d'appeler la population au référendum. Mais tout ça, en 2011, dans Joseph Kabila, mm-hmm. tu révisas plus de 6 articles, ceux qui 10 ou je ne me trompe pas, ceux qui 11 ou 8 articles, nous avons un article qui renforce qui. À l'époque, à Toulouan, on a tour Moko pour a des tours. Mm-hmm. C'était toujours dans des révisions. Toulouan a des tours pour a tour Moko. Plutôt Toulouan a tour Moko, on a des tours pour a tour Moko. Ils avaient toujours te révisé la constitution à Moka. Mm. Vous comprenez? Ils ont bâti le bleu pour le quota là. Tout le monde a monté le roi Loro Moko Yabandoki. Le roi Loro Moko est statique. Non, c'est vrai, ils ont loi fondamentale. Mm-hmm. Je n'adhère pas à ma propos et à ma politique. Nous sommes en négligé la constitution à Moka. Non. Pourquoi les professeurs bâti jusque-là ne se prononcent pas encore? Quelles sont les raisons? Parce que tu vas causer là, tu vas causer là. Je suis en train de t'expliquer, pour la gouverne, que l'AFDCA, c'est un parti, c'est un regroupement politique responsable. Vous comprenez? Le président Bati Lukwebo, en tout cas, on est en train de réfléchir. On a été qu'il y a une décision qui a aboyé Moko. Non. Je pense, à un moment donné, au moment opportun, l'AFDCA est un parti, regroupement politique reconnu, est une deuxième force. Est un regroupement politique à Moukete dans Moka. Ça demanderait peut-être que Amekako consulter ma structure à partir, ma solo là, et puis peut-être va se prononcer officiellement ou comment ou va s'engager dans la démarche. Mm-hmm. Ça, je ne sais pas. Mais toi, comme on va faire la précipitation, tu penses que Bazaba n'a miquette quand même. Vous comprenez? Ce sont des responsables politiques. Ce sont des sociétaires de l'Union sacrée. Hein? Et ça, c'est que. Pourquoi qu'on brutalise maintenant? Non. Moi, je pense que la question beaucoup, il faut que nous allions. Mais toi, parce que ça me concerne, moi, quand tu as réfléchi. Est-ce que vous aurez regretté le fait que. Parce que actuellement, vous allez citer seulement les présidents Bahati. Pourquoi? Pourquoi il y a une fiction contre Sema pour Bahati? Non, on parle aussi de Vitel Kamere. Ah voilà, Bazé Belé. De tous ces gens, Bazé Belé. Presque tous les présidiums. Voilà. Et puis, vous êtes proche de Bahati Lukwebo, c'est pourquoi je parle de lui. Je comprends. Quand à tous les présidiums, tu es, mais presque ma partie politique, Union sur Union Sacrée, la monnaie à mon côté, c'est prononcé. Qu'on s'est prononcé à Mbosso, c'est non, attendez, qu'on s'est prononcé à CRD, c'est CRD, non? Il y a CRD à Patriarche, Mbosso, je ne sais pas ce qui s'est prononcé. Jacques Kiaboula, il y a Okatanga, s'est prononcé. Bon, je vis, oui, quelqu'un. Fifi Masuk aujourd'hui, s'est prononcé. Quelqu'un l'idée, c'est vrai, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. La suite continue, ouais. Et donc, moi, je ne pense pas que comme Maloko a fiction contre Batou, Pandine Moutoua, l'obité, non, non. C'est quelque chose de très responsable, il faut. En tout cas, ça m'a donné à madame. Mais tout le monde le sait que Bahati a soutenu la vision, mon côté. Ça, tout le monde le sait. Na lingi na zoka na malobana yo. Mon ambo ka olobi que FDCA est parti, il y a un responsable. Moi, je ne parle pas au nom de l'AFDCA. Je suis en train de réfléchir. Vous réfléchir, voilà. Comme analyste. Bazaba responsable. Par rapport à Nenge Nazomonela, scène politique, Nenge Nazomonela. Vous estimez que Bazaba responsable, le moment opportun s'est prononcé. Pensez-vous que le président a manqué aussi du respect dans la société Réunion Sacrée
il a manqué de la considération dans ma partenaire politique naïe en ne cherchant pas d'abord cette question au niveau de l'Union sacrée, bah lever option et puis bah qui malamoko parce que na niveau ya au Katanga lorsque le chef de l'État a lobby personne rien et personne qui va m'empêcher moi garant ya bon fonctionnement des institutions ya qu'on réfléchir réfléchir sur cette question. Vous regrettez que le Mokonzi a beaucoup même mis des bannes à l'Union sacrée à qui n'a pas un cavalier solitaire et qui bine au dans la cime. Non, il est président de la République. Aza garant un bon fonctionnement des institutions. Comprenez, moi je ne peux pas dicter ou bien projeter une direction pour le président de la République, une direction à prendre auprès du pour le président de la République. Moi je ne peux pas le faire. Je ne suis même pas dans une institution du pays comme ministre ou DG. Moi, je n'ai pas un parti politique. Donc, au soutenir la procédure, Mokonzamemi. Moi, je soutiens la procédure. Il ne fallait pas aimer Bandana Nyon Sacré après Bimini Bandana. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je soutiens la procédure du chef de l'État, mais il aurait été mieux qu'au niveau de l'Union Sacrée, là, je parle de l'UDPS. Je ne parle pas du président Tshisekedi. Okay. Parce que je vis le secrétaire général Augustin Kabuya. Je voyais Ndaza Namwa avance effectivement. Il fallait au niveau du présidium que l'UDPS ait cette considération aussi envers les partenaires de l'Union sacrée. Ça aussi c'est autre chose. Il fallait l'UDPS azala na considération envers les sociétaires de l'Union sacrée parce que l'UDPS n'a pas fait combat lui seul pour que le président Tshisekedi soit deuxième mandat. Ça on doit le dire. L'UDPS n'a pas fait combat seul pour que l'Union sacrée ait Tchapo. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des choses où il faut dire que les UDPS ne vont pas comprendre. Le regroupement politique, ce sont des sociétés, ce sont des partenaires politiques. On est en politique. Et ça, je suis en train de dire que les UDPS, ils ont un dossier qui est très important. Alors, ils ont un dossier qui est engagé à Mobimba. Moi, à mon humble avis, j'aurais souhaité qu'au niveau de l'UDPS, mais selon la peine, il y a une union sacrée qui est dans le présidium. Parce que c'est ce présidium-là qui avait coordonné presque Makambounion, son direction de campagne. Chapeau à lui, le VPM Jacquemin, Oazaki, directeur à campagne, maman Nabiso Oazaki, directeur à campagne, maman Bandoubola et les autres. Parce que Moussa Malam, on a réparti ça qui, Makampon à campagne, Mokonjo, ma président, Bati Oazaki, ma coordonne, ma espace sud, espace Kivu, ma bande de Komosu, soupe, ainsi de suite. Donc, Moussa et Samari Malam, Oazaki, tout le monde a mouillé les maillots à son niveau. Ouais. Il fallait pas que, à mon humble avis, l'UDPS a individualisé tout, a particularisé la question. Wana. Très bien. Mais est-ce que et donc, silence... moi, je crois aussi que ce n'est pas tard. J'ai beaucoup aimé la sagesse du président de la République parce que là, dans la Fati Minipo, Fati Azamoutou, sur un lobby loco. Alors parce que loco a participé à mon abat piste des solutions. Alors parce que loco a fait un peu brèche pour abattre Moussoussou. C'est ça en fait un leader. Quand le président Tshisekedi a dit Makambuya ya ni ya constitution, le président Tshisekedi n'a pas fait allusion à ma troisième mandat. Mais tant de balola. Et parce que voilà, alors ma troisième mandat. Alors c'est vrai. Alors peut Makambuya y a article 220 pété. C'est vrai, mais alors le troisième mandat. Donc on peut toujours revoir ma texte. Est-ce qu'on peut comprendre le silence ya ma société réunion sacrée? Est-ce que c'est un silence stratégique ou une prudence politique? Ils se disent que Mokonzi a mboka lobi likambuya troisième mandaté. Ye mboka lobi na ye ko s'éterniser na Mokonzi te na kokende. Voilà. Mais on s'est dit ce qui Mokonzi a mboka a réussir à obtenir non la révision mais changement à la constitution automatiquement ils ont pensé possibilité à troisième mandat. Est-ce que ce n'est pas là où loge dans la peur il y a ba société pour n'en prendre l'obake non? Une fois la constitution est changée, Mokonzi a un droit à un troisième mandat et ils ont peut-être à l'aise et on a toujours observé silence. Non, je pense qu'ils ont peut-être observation stratégique, mais on a la sûreté qu'ils ont peur parce que Batonion sont dans la réunion sacrée pour soutenir Mokonzi. Ça, il faut le dire. Moi, je ne vois pas un commandant qui se lance dans une démarche et que le lieutenant n'a pas dit qu'il bah, on est obligé toujours à soutenir, ne pas soutenir. Vous comprenez? Mais moi, je sollicite aussi la sagacité. Il y a UDPS
pona koyeba na ko considérer ba société parce que za bitumba ya biso nyoso na sima mukonza mboka et comme atelo kwa bazomono ndire ba sango non toza na posa ba twana teto sango biso moko c'est hein, vous comprenez un peu sagesse na ngai mais opposition basangani déjà opposition te moni Kabila Katumbi ouais. Tous ces gens basangani basali déclaration commune mais pas na bino na noto comme on a que na nous bosse organiser bien que nous avons toujours l'intention ou l'habitude de minimiser cette opposition c'est vrai mais on est en politique bangwana ba sangana to ébité o bango ba zone kana to ébité au-delà de leur divergence d'opinion basangani quand même mais nous au sein de l'Union sacrée nous sommes une force et c'est là qu'il faut, on a un rappel, on a un mais il faut consolider par qui au présidium. Tu as négligé le présidium, moi, dans les lotis. Quand je vois un Augustin Kabuya, membre du présidium, un Bahat Lukwebo, quand je vois un Stan Maloukonde, un Christophe Mosso, un Jean-Pierre, bien même Vital Kamir, ces gens-là ne peuvent pas être négligés. Il faut pas être toujours ensemble. C'est important. Et dans un moment où tout le monde a moi, tout le monde a moi, diabolisé. C'est comme si tu as le col à côté, président, madame. Non, non. Vous comprenez? Et donc, ce sont des gens qui sont aujourd'hui, je crois, importants toujours pour le chef de l'État. Mais, tu as réfléchi. Parce que jusque-là, le chef de l'État aussi avait bien dit que à côté, commission, moko na 2025. C'est là où je vois. À mon humble avis, n'engue n'azore raisonner, c'est là où je pense que bandeko mingi peut balamusu bazo zena 2025 mon konza tia commission et puis bah n'engue ni pas mes mamakam na simata tel kolo mais ama mon kolo yozali ozali dramatiser brutaliser les choses ozali hein, commencer à fixer sur les gens oh non yeboye ozali analyste politique na lingi opé sanga lecture des faits nayo aujourd'hui quelles sont les forces et les faiblesses, il y a opposition en présence devant Union Sacrée. Lelo Kabila, Katumbi, Fayulu, Matata, Sesanga et tous ces gens Basangani Lelo, pour qu'on barre route dans le projet, Yabino, il y a Union Sacrée, il y a révision, il y a changement de constitution. Quelles sont les forces na faiblesses aux autres détectées à niveau il y a opposition à Lelo? Mais je voudrais d'abord préciser une chose. Les professeurs n'ont qu'en parenthèse ouana, parce que namona qui mutumo quoi les kaka. Togozonga, togoya ouana. Nabombeli au chapitre sukawana. On va chiter par là. Merci. Bon, en voyant d'abord la globalité de l'opposition, moi j'étais avec Joseph Kabila à l'époque. À l'époque, Tozalaka. Dans CCI, avec l'honorable Lambert Mende, voilà. Je crois qu'il y a une délégation Moko, il y a conduit en Ouganda. Je crois une délégation parlementaire comme ça. Pour la, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, si je ne me trompe pas. Tant que Bissot à l'époque, tu as un peu Kabila, tu as un peu Lambert Mende, tu as la CCI, tu as au cadre, bien que na Lungwa, tu as un CCI, tu as un peu Moussou. Nous, on connaît comment l'opposition fonctionnait. Papa, où est l'opposition? Bisoto yebi, tant que tu as dit que papa Etienne. Papa Etienne a quitté l'aéroport. On senti que Kinshasa a bloqué. Bato Bato qui est même bouloté. Papa, l'opposition elle est là. Ah non, mon frère. Loba, ok, l'opposition est là, peut-être comme Baza. Baza, en connivence, ceux qui n'ont pas de raison, ils Kagame là peut-être. Pour nous nuire dans Mboka. On a le bon endroit, ils ont raison, ils ont Baza, ils ont Kagame. Mais une opposition républicaine. On a dit que dans la manifestation pacifique, des grandes mobilisations, ils ont dit que c'est Mboka. A télé, ils ont dit. Papa Etienne, tu sais qu'il y a des raisons de mémoire. Raison Zalini. Raison Zalini. Raison Zalini. Faiblesse opposition, Lelo. Il est comme faible, comme il a pété. Non, raison Zalini. Pas ça, il a battu. Pas ça, il a battu. Puis, si Union Sacrée, tu as un stade de martyr, tu as un stade de martyr. Tu as dit que pour l'Union Sacrée, quand tu as un stade de martyr, tu as un stade de martyr. Si tu as un Union Sacrée, tu as un stade de divergence. Tu as un stade de présidium, tu as un stade de papa. Il y a une contribution intellectuelle qui est en train de se faire. Il y a un
opposition auto mais quand même on neutralise bah mais bah quoi l'opposition bah le bien social les social mobulu mais bon bah les athées bah les athées bah les athées hein bah fonctionnaire salaire à malongaté chadar a outi quoi l'obaya on les a bah faux fuyant hier chadar ritang wazalaka ministre intérieur comme on a saputi le zélagaï non il y a des gens qui ont une centaine de localités qui ont été récupérées. Il faut pas suivre, ce sont des faux fuyants. Dans l'époque, on a Chadari a perdu au pouvoir. Bounanga ne quoi yarati. Goma Koutoua, une fois Goma était tombé à l'époque. Je m'en souviens. À l'époque, Goma était tombé. Mouzé à Kota, Goma était tombé à l'époque. Mon frère ami, maintenant, il y a un mixage, un brassage dans le monde. Ce n'est pas les peuples perdus dans le pouvoir à Kalo et Tozara. On te montre un généreux belé, un rébellion, c'est CNDP. CNDP Zarani. Mouangatoutou bombardé, les lots honorables députés, à comment milliardaires, ceux qui sont multimillionnaires dans Marabakaré minier. Là, on a eu une histoire. Un généreux Ming, un côté de la mission de Mboka, un officier supérieur. C'était des anciens rebelles. Nous, on a vécu ici. Tout le monde a même James Kabarere, à l'époque, à comme il a vu chef d'état-major général, un Rwandais. Si les lots sont un Rwandais, tu peux t'imaginer. Est-ce que les alliés pouvoir au Kala on a négocié les leçon. Nous on a été là. Nous savons que et leur moment malheureux ça m'a raté. Bah quoi rebeller signama n'importe Kala. Les Angolais les leurs opposants ils sont à Kingo. Alors on a aussi na est-ce que Zela est-ce que président Tshisekedi depuis qu'on continue à pouvoir a signé un accord militaire moko y a mixage ton brassage y a un groupe armé on a. Il a pas fait. Et pourquoi à l'époque bon bah ça là. Très bien. Non, c'est un Steve Conner, c'est la bise. Bazana et l'or à l'obate, Katumbi. Katumbi a pillé un minéraire, il y a un grand Katanga, Katumbi. Nana l'obara en mort. Les règles, les chefs d'État avaient commis. Bon, mon condamnant n'a pas un tamawa. Les règles que les prédateurs de Ségède avaient commises, auraient commises. Et ça, aux hommes, ça Katumbi. Kabila, tu n'as pas de règles, pourquoi? Très bien. Et ça, qui est aux hommes, ça, n'est pas en exil. C'est ça, Zéla. C'est ça qui est le poids politique. C'est ça, on n'a pas de poids politique. Aza un poids politique. Voilà, permettez à ce que nous posions deux questions. Matata Ponyo, aza un poids politique. Négoirement. Moutoulelo, Boukangalo, Ndjozo, Zele, Kounaya, Aza modèle. Voilà. Autant que Zele, autant que l'année, Fayoul. Fayoul, il y a mon combat, si tu as bêta, tantôt, n'a aucune élection, tu n'as pas besoin d'aucune élection. Après, si tu as la députation, tu es ainsi de suite. Et le rôle est déjà crédit. Fayoul, on a. Azat, attendez l'or à Golobate. Très bien. Population à l'ingéli. Alors, on a ça la question mi balé. Il y a souka, il y a souka. Ils sont morts en union sacrée. Boyoka Nézate négocie. Zéla, pardon. Question à l'Iboso négocie. Boyoka Nézate, pourquoi? Sauf qu'il y a union sacrée, on va finir l'émission. Nous serons très forts, bateau à Royoka la coupe. Sinon, on risque de finir l'émission. On reçoit question à Yote. Dans la question mi balé à reposer, la linga qui n'a pas encore tout extrait à l'émission, malheureusement. Au consommé tant dans Omingi. T'es aussi en attendant. Neko, mon quoi les gars qui a. Patrick Sayel, Aleka Kiawa Lobby, Yo Longwa, Olongwa, parti à la mer Mende, Ponanzala. Ponanzala, au salaka politique, Yanzala, au salaka politique, Yalibumu, Olongwa, Olongwa, Oza, vagabond politique, Olongwa, pas Mende, Oyepilelo, et pas ya professeur Bat. Wana question, Oyomoko, pour répondre, Bisso, parce que Otigo, le Bayomoko, Zalaki n'a pas la mer Mende, Oyepa ya professeur Bat. Wana ya liboso yami balé ndeko Patrick Sayel tant on a ébissé que le professeur Bati Lukwe balobi problème ya Congo ezali problème ya ba texte té problème ya ba loi té kasi ezali problème ya batou alobé effectivement le professeur Bati a raison ce qu'il faut changer batou yemoko il faut non babanda ko changer le professeur Bati abeti li solo tant azala ki na économie ministère azane ministère économie azala ki parrain ya ba indo pakistanais. Abetil solo comment banek ko protéger bango abetil solo kabakaba ndenge ba rein ba banek ko longola batou na kini komagi mari komagi phénomène yazalaki ko parrainer bato bazalaki na tête ya ba opération wana na lingi obetela nga li solo na yo ndengo longwa pas même de comme pas bati ya mi balé est-ce que le professeur Bati lelo azalaka parrain ya ba mafia ndenge de kona lobi comme ça aussi lycée. Merci beaucoup pour la parole. D'emblée, je ne voudrais même pas revenir sur ces sujets. Parce que déjà, Nakoyoka Motoano, nous autant à Kombo, Kolobanae, mais attendez, prenez seulement mon apparence. Hein? Son apparence, non? Parce que, Naoki Batine, la vidéo, mon rabbin, petit monsieur. Prenez seulement mon apparence. Ndeko, zwanga bien, zwanga pena, zwanga mo bimba pena, ndé na sali.
à toute question, on a habité sur la balle. Je me suis marié depuis très longtemps, père d'une grande famille. Monsieur, c'est venant là qui c'est venant. Attends, c'est venant où tu étais malangai. Plusieurs fois conseillé dans des cabinets ministériels. J'étais ancien assistant principal. Il y a Madame secrétaire générale honoraire, il y a ministère emploi travail. Indu Nokumba. La travail bisiké belé. Sauf qu'il en inspection générale à territoriale. J'ai été inspecteur itinérant. J'ai travaillé comme expert dans le cabinet du ministre Loukian à l'époque, dans Jean Famille. J'étais son chargé de titre. J'ai travaillé avec l'honorable Lambert même. J'ai été conseiller ici aux relations avec le Parlement, avec Madame la ministre Anne-Marie Karoumé. J'ai travaillé. Nous CV à un niveau net. Parce que nous avons des lois, nous avons un niveau bâti. Parce que même niveau ya bana bâti, nous avons un niveau net. Nous avons un niveau ya bana bâti. Au moment où nous avons un niveau, avant de raisonner, bon, comme na dingaramo ba baise ya buzo ba ya lokuta ba débat ka niveau na ke na loba na finga mutu na finga personnalité. Ça c'est pas moi. Moi je suis un monsieur correct. Vous comprenez? J'ai travaillé comme au cadre de la Katia CCI, comme tout acteur politique à un moment donné, philosophie en aussi mbali susuté. Na lungwe. Et là on est kabola. Et puis il on est kabola yo na. Non, c'est pour des raisons personnelles. C'est pour des raisons personnelles. Tu ne me verras jamais venir koloba mabe ya honorable Mende. Moi ça c'est pas ça. Je suis pas dans cette école là. Moi je suis bien éduqué. Ngana mutu moko na botami na famille moko catholique. Je suis très bien éduqué. Vous comprenez? Na oko nga tenere koloba pona boene bango baloba ba finga ba. Lui il passe à la télévision pour insulter. Na tika la mon état ça l'émission moko pédagogique. Émission pédagogique, il réfléchit sur des thèmes normal ndenga la zone réfléchi mais ça na finga. Hier sera l'équipe monsieur ça a fingi diffamation. C'est ça être politique. C'est ça être analyste. Mettez la biso li solo après sur bait. Na lungwa CCI pour des raisons personnelles, na sa vie nanga, mais je n'ai jamais adhéré dans la FDCA. Et ça peut-être pas ebinengate. On adhéré à la FDCA. Moi je soutiens Batuluko par conviction. Après avoir que ça la lecture ya vie na comprendre que la muto azala ba prouesse, ana ba valeur. Yangon a soutenu ça et je m'assume. Il m'a appelé fou du roi. Oui, je m'assume. Je suis fier. Na l'Olande nyoso. Oui, naza fou ya bati. Parce que bati au moins c'est une icône, c'est une référence na mboka na biso. Et bon yoza fou anani. Yoza fou ya nani. Yoza fou ya ba maboma. O ba lekaka na venir ou comment? Yoza fou ya bato pousu. Toi tu es le fou de qui en fait? Moi je suis le fou de bati. J'accepte. Talaka niveau bati na fou na. Alors, il ne faut pas entrer dans la profession bâti. Écoutez, parrainage, il y a un indo-pakistanais. Bon, d'abord, le mandat est un mandat très négatif. Depuis qu'il est là dans ses sacs. On ne peut pas citer un certain Tito. Un certain Tito. Oyazalaka, président de ses sacs. Dans l'époque, il y a Tito, dans l'époque, il y a Christian Bossembe. Comment on a regardé l'eau, il y a du n'importe quoi, du blabla. Pourquoi on a pas un conseiller le rôle à Bamuto? Comment on est là? On s'est même interdit à l'école de retirer sur ma personnalité. Non, il y a un conseiller, c'est ça, mais il y a un batama. Il y a un petit monsieur, mais un conseiller, il y a un batama. Il y a un conseiller. Il y a un conseiller. Les amis, ma chemise, le gros, ils sont là, tâté, ma houdine, ma basse, chère. T'as la même apparence, Léna. Azumi, c'est ça, télémissibo, le gros, m'tant, mais la whisky. T'as eu comme la soupe, comme la soupe. Ma whisky, c'est qui a mon choro. N'a la lingo, bête, la soupe, la tolo. Mais à l'obi, à l'obi, bâti, azali, c'est n'importe quoi, mais c'est pas mon niveau. Aza, parrain, à bando pakistanais. C'est un voyou, ces messieurs-là. Il faut même pas retourner à ma question. Quand on a ma question, t'as l'air, mais maman, j'ai mouru à ping-pong, aïe à fingi. Moi, je ne suis pas venu pour lui. Je n'ai pas besoin d'expliquer ma propos au professeur Bahatou Kwebo. Écoutez, on a décontextualisé les propos du professeur Bahatou Kwebo. Ça a été déjà expliqué dans vos débuts. Décontextualisé. Alors, même Makambo, il y a état général, il y a un machinement constitutionnel. Donc, vrai ou faux, professeur Bahati, Azala qui paraît à l'Indo-Pakistanais, dans Azala qui ministre de l'économie. À l'économie nationale, tout le monde le sait. Quand Bahatou fut ministre de l'économie nationale, en tout cas, Là-bas, ministre économie Mingi Baleki. J'ai du respect dans le gouvernement d'Abisso. Je vois mon coco Sambazo Bunda. Dans mon prix à carburant, ils ont quitté le consort. Il se bat avec Mamba
je dis soumis au premier ministre. J'ai du respect pour Moussa Bazosala. Le col appelle un secteur et un plan de travail, n'est pas quoi qu'à Zobunda. J'ai du respect. Mais on s'en souviendra. Qu'à l'époque de Modeste Batulkebo, ministre de l'économie nationale. Papa, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Fanta, Coca, Consor, on a des affaires congolais. Tu as dit que tu as dit que tu as dit. Tu t'en souviens, non? C'était stable. Toi, il y a vente à ciment, stable. Importation, exportation, stable. C'est faux. Partenaire faux, archi faux. Le président Batulkebo est le meilleur ministre de l'économie nationale en Bourgogne. Parmi les meilleurs ministres de l'économie nationale en Bourgogne. Après, et là, on y est salami. Vous comprenez? Quand Batifi ministre de l'économie nationale, l'économie en Bourgogne, système macroéconomique est fanaki. Voilà, tu es bien. On va voir un monde. Bama sango et zagi ba pri assez. On se reprend. Ni on se zagi bien. Même ba importation et zagi n'a pri assez. Ba douane et zagi n'a pri assez. On a vécu une économie qui était stable dans ces pays. Et alors, on va m'en babouzo bazolo. Est-ce qu'il y a vana même n'a bâti une minute ma soule? Parce que ça attend un niveau vana même pémé n'a bâti. Ba lugani n'a fini ba bengé. Ba sourdoué. Or, bâti n'est pas dans ça. C'est ça le problème avec Bati. Il n'est pas dans ça. Un népotiste, un clientéliste, non. Parti à laisser, c'est pour. Écoutez. D'abord le partage du pouvoir, ils ont un problème à cadeau. Partage du pouvoir, ils ont un rapport de force. Lui, le monsieur là, Mississé Téléma Boué, le quoi, c'est Moutounil. Mississé Téléma Moutou. Même Koko ma français dans Twitter, même Koko ma français dans Facebook, n'a pas de défaut. On a Moutou là même le niveau 2. Un voyou tout fait. Mouton à vivre dans ma rango, fin à rabat. Mouna âge néwan, imaginez un âge néwan, allez gara fin, à comprendre, à mon aloua yangon de vie. Batulkebo, c'est un grand politique. Tant Wazaki na régime Yakala, c'était pour son apport. Wazaki na comme politique. Ezaki kadote, c'était pour son apport. Très bien. Et puis après, tango inyo sakel na ke chama ya zolobo ayaka kaka alobini ayaka kaka pona soki soki na kabila bakabona ka bien te soki ni ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça voit na makama e koloba on moni ke akoki ko rejoindre na ba argument na ngate na ki ko beta ye par rapport ya ignorance na exposa ki sur la loi, la proposition de la loi faite sur l'agriculture par les professeurs Bat nga na na betie na mcien na bi non article 80. Il y a le code foncier verrouillé. Makambazolo basana rien à voir avec la comparaison avec le Brazza. Azur ango wapi. Aye, azur makambo nekonanga kinana ndolo banakala. Après, na ba ndeko mswa communicateur ba utilisera na front. Oezaka avant ba primaire. On te expliquera que les procès Batulkebo n'a jamais été interpellé pour pona makambo ya mosolo. Vidéo, image ou tu mais on a aussi un autre sur l'image. Mais image ou on a Laurent Désiré Kabila. Non, écoutez, je crois qu'ils ont montagé moi et dans ça. Pour yo, on limite au tchamo. Laurent Désiré Kabila, Benissa Kabila, non, écoutez, Yoka, tu peux ça d'abord précision. On m'a dit qu'il y a des locaux à l'obatté. Expliquez Bisso. C'était pourquoi les professeurs Batulkebo, étant donné qu'on a drainé ma masse à Maka, c'est un grand leader depuis longtemps. Mouze a proiba qui a péki sa qui ma manifestation pacifique. A boye qui ma manifestation à un moment donné, vous savez. Le président Bati a kena aussi sa conférence sur la démocratie. C'est pourquoi il a été arrêté. Et puis après, tant Mouze a compris, oh non, lui est Zaki pour la maramba boue, a pas libéré. Et puis il était de beaucoup d'apport pour Mouze. Mouze après pour Mouze a compris que Bati, c'était quelqu'un qui pouvait beaucoup l'aider encore. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec Amazon. Oh, ça qui bascile. Non, non, bascile. Très bien. Mesdames et messieurs. Et donc, Makamba a lobby à transplantation. Écoutez. A lobby, bah, tu sais, bah, bon. Nazon a bon capo à écolo. Autorité morale. Mais ça, Makamba, déjà, tout ça, va démenti à Lokuta. Papa, c'était une loi qui a été proposée pour Makamba. Il y a transplantation. On y a une transplantation, non, par définition. Nenga nini. Hein? Kozwa organe ya mutu. Te kala ya mutu excité. Ba kozwa pe organe na yo ya koto yo ya awa. Ba lomoni ba chokote mususu. Voilà.
ça ou même parce qu'on s'appelle à moto et peut-être à un problème il y a mutema basui a une des basses en Europe bâti côté mususu bien basui lito y a mutu côté bâti côté mususu très bien mais mise en application dans quoi ils ont eu un problème parce que tous en a matériel ou ils a de quoi tirer pour mobile qu'on est côté en exécution y a un baso étudiant malé malé ça n'a même rien à voir dans ma malobie assez ça n'a qu'on soit ainsi de suite qu'est-ce que ça voit. Qu'est-ce que ça voit dans Mamakaba Kaba? Encore que le gouvernement à l'époque avait donné une précision que Mamakaba Kaba, ceux qui Makambuya, barré, et ça m'a malokuta, Mouya avait dit ça. La présidence avait démenti ça. Et ça qui m'a malokuta, c'est que y est, à cause de la société, il y a Rwanda. Il faut faire beaucoup d'attention à Baya. C'est que Azaï, parmi les bateaux, il y a un côté de Misabato, non, non, il y a un peu de l'image, il y a l'autorité de l'État président Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. Ça a été un grand et donc, plaisir. Ça veut dire que c'était une loi, ils avaient proposé la Sénat. Très et qu'on est traqué par parcours, dans la procédure, nous sommes à la Sénat. Très bien. Ça n'a rien à voir avec Amazo. Mesdames et messieurs, n'a pas bien bissayé. Botique a co-exposé Bouzo Banabi. Au moins, il y a des qui zing. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, je ne te connais pas. Tu es un connais pas, monsieur. Mwanamboka, Patrick. Tu es à mon niveau, toi. Mwanamboka, donc Arma Mukulu, Oyo, Ayaki Kopé, sa point de vue, naïe, par rapport à ma propos, il y a professeur Modeste Batsulukwebo, mais aussi, il a réagi sur l'actualité, les sujets qui font la une d'actualité en République démocratique du Congo. Mwanamboka, Arma Mukulu, merci beaucoup d'en répondre à l'invitation à Bissot. Merci. Malgré ma occupation, naïe. Merci à la troisième intellectuelle, Yakabe Akamwanga. Merci. Na Joseph Benza, et si vous avez aimé cette émission, dites merci à notre réalisateur HD Sib Kondé. N'oublions pas qu'au-delà de nos divergences d'opinion, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Oui, Armaïa. L'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qui cherche. Il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.